faire d'autres préparations pour Pâques. On a déjà fait des brownies, on a déjà fait des enfants au chocolat. Comment ça s'appelle les petits trucs là? Les petites fritures, Michel. Les petites fritures. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. C'est gratuit, il suffit juste d'avoir un compte YouTube. N'hésitez pas également à télécharger gratuitement mon e-book Les 5 fondamentaux pour gérer le conflit lors des repas en cliquant sur le lien en bas dans la description. On se retrouve en cuisine pour les recettes. Là, je vais faire les petits décos blancs. Tu vois, je vais peindre les petites fleurs. Ça demande de la minutie, donc c'est maman qui le fait. Et voilà pour le chocolat blanc. On va laisser figer. Et voilà. On met en congèle. Alors, pour la recette des brownies, on a vu qu'on avait gardé des œufs, qu'on avait percés. Après, on les a laissés tremper une demi-heure dans de l'eau salée. Donc, 2 litres d'eau et 200 g de sel. Ça va servir de moule pour les brownies. Et puis, le reste de pâte, on le mettra dans des petits moules à muffins. Et donc, pour la recette, il nous faut 100 g de chocolat noir pâtissier. Il faut de la purée de noisette. Il faut de la farine, de la levure. Il faudra une pincée de sel, de la vanille, du sirop d'agave, 3 œufs. Et puis voilà, on a fait le tour. On va pouvoir commencer. Alors, 65 g. De farine, il nous faut la moitié du sachet de levure et la pincée de sel. On va rajouter au chocolat le sirop d'agave. Donc le sirop d'agave, il faut 4 cuillères à soupe. Donc là, notre chocolat est bien fondu avec le sirop d'agave. La noisette, 3 cuillères à soupe aussi. On mélange bien d'abord. Hop, 3 cuillères à soupe. Tac. Il faut également une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Voilà. On va rajouter les 3 œufs. Le résultat, on va incorporer avec la farine, le mélange farine levure. Tac, donc la préparation est ok. Alors si vous avez une poche à deux, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, je risque quand même de prendre une poche à congèle à bout pointu, comme ça on coupera le bout. Donc là, on met la préparation dans la poche pour pouvoir après remplir nos petits œufs. Hop. Ça va, Lily ? Ben, si ça va couler, c'est fait exprès, Michette. Hop, je coupe le petit bout. Mais fais attention après, quand tu coupais. Il fallait pas que ça...
Les œufs sont remplis aux deux tiers. J'ai mis le reste de pâte dans des petits moules à muffins. Et puis c'est parti pour 15 minutes à 180 degrés. J'ai besoin de deux petites gourmandes pour lécher des plats et des cuillères. J'ai besoin de deux petites gourmandes pour lécher des plats et des cuillères. Bon, mais j'ai trouvé deux petites gourmandes. Oui, cocotte. Les cocottes, c'est qui tes cocottes? Quelle? Ah oui, elles sont là, les cocottes, ouais. Mais non, c'est nous les cocottes. Et vous êtes des cocottes, vous aussi? Oui. Nous, il pas cocotte. Lily et Nanou, c'est les cocottes à maman? Cocotte. Ah oui, j'ai envoyé une boule. Et voilà, c'est fini le tour, donc... pour aller dans le jardin. Donc on va emballer aussi les œufs qu'on a fait hier. Et voilà les petites poulettes et puis les œufs prêts à être cachés. Et voilà, ça fait un petit œuf de brownies. Tiens, ma Lily. Les tiens, ils sont dedans, Michette. Trop bon. C'est trop bon, super. Thank you.